Salut mes gâtés, bienvenue sur cette toute première vidéo de la série rénovation, habitation, etc. de la famille Colombe. Je vous fais cette vidéo depuis mon hamac dans notre jardin. Il y aura sûrement des bruits ambiants parce qu'il y a les voisins qui ont une entreprise à côté qui fait des travaux. C'était pas prévu, mais en fait à chaque fois je repousse le moment de tourner les vidéos et du coup c'est compliqué. Donc c'est pas grave, aujourd'hui je me lance, vous entendez les petits oiseaux, il fait très très beau, etc. Il fait très très bon. Donc voilà, je vais vous raconter pour commencer cette série toutes les péripéties qu'on a eues pour l'achat de cette maison que vous verrez dans de prochaines vidéos et vous découvrirez au fur et à mesure des mois toute son évolution, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc on va commencer par le départ. Nous, on est une famille avec deux adultes, donc mon mari et moi, et nos trois enfants qui ont entre 9 ans et demi à l'heure actuelle et 3 ans et demi pour le dernier. On a 5 chiens, on a 2 chats, une tortue de terre. On avait une tortue d'eau, mais malheureusement, juste avant de déménager, elle nous a quitté. Et on a également des poissons, carpe koi et des poissons rouges, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la composition de notre famille. On était sur Marseille, dans le 11e arrondissement, du côté de la Valentine, pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille et ses environs. On était dans une maison que nous louions à quelqu'un que l'on connaît, qui habite ici en Auvergne d'ailleurs. Et en fait, cette maison, il nous a dit voilà, tant que vous voulez habiter dedans, je vous la loue. Et puis le jour où vous déciderez de partir, ou parce qu'on avait pour projet de racheter cette maison, ou nous dit le jour où vous décidez de racheter cette maison, ben, je vous la vends. Mais si un jour vous décidez de partir, ben, je la mettrai en vente et je la vendrai. Donc on a pu habiter là-bas pendant 6 ans. On a fait des travaux un petit peu dans cette maison et tout ça. Et on y est resté. Et puis on a décidé, la mère de mon mari en fait elle habite dans la Haute-Loire, moi j'ai mes grands-parents aussi dans la Haute-Loire, j'ai une tante dans la Haute-Loire, etc. Donc on a décidé en fait de se rapprocher de ma belle-mère dans la Haute-Loire et trouver une maison donc en Auvergne. Sachant que mes deux grands, ils sont nés en Haute-Loire justement parce qu'on avait vécu ici il y a quelques années. Donc voilà, on s'est dit on va revenir ici. C'est pour ça que ma belle-mère en fait était montée, parce que nous on habitait dans la Haute-Loire. Ma belle-mère s'était rapprochée avec un de ses frères et une de ses nièces. Ils s'étaient rapprochés, ils avaient acheté une maison dans la Haute-Loire, puis nous après on est redescendu à Marseille et finalement on s'est dit bon, on va se rapprocher de ma belle-mère et puis voilà, on va revenir. Donc en cherchant autour de chez elle, autour de Brioude, on cherche et puis on trouve une maison finalement dans le Puy-de-Dôme. Et on a un gros coup de cœur pour un ancien moulin, donc c'est une maison avec un bief, donc c'est une espèce de rivière qui coule, qui va sous la maison, qui se jette sur la roue, qui à l'époque faisait tourner, animer le moulin pour pouvoir moudre du grain, etc. Et c'est une vieille maison en fait, hein. C'est une maison qui est à l'origine une maison de campagne, qui n'est pas habitée, etc. Mais elle est très très grande, elle est sur 2 étages, donc il y a 190 mètres carrés d'habitation, plus des combles, plus une cave. Voilà, il n'y a pas de garage, etc. Mais elle est très très grande. Et il y a du jardin, il y a à peu près 2700 mètres carrés de jardin. Le tout pour la modique somme de 85 000 euros net vendeur. Donc ça, c'est le prix qu'on a fini par négocier. Elle était un peu plus chère. Mais voilà, on se met d'accord finalement sur 85 000 euros. Donc ça, c'est le prix de la maison. Sachant que dedans, il faut tout refaire. D'origine, il y a... faut refaire toute l'électricité, donc faut retirer l'électricité dans toute la maison, faut refaire les plomberies, faut changer les salles de bain, faut faire une cuisine parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisine. Bref, tout est à revoir. Faire l'isolation de la toiture parce qu'il n'y a pas d'isolation, il y a juste les tuiles. Il faut le bief, donc c'est à nous de nous en occuper. Il faut le creuser, il faut le gratter, il faut l'étanchéifier parce qu'il y a une fuite d'eau du bief qui coule une partie dans notre cave et une partie à l'extérieur de la maison. Et le problème, c'est que cette eau, elle ravine et ça met en danger la maison finalement. Bon, pas de suite, mais voilà, il faut quand même qu'on s'en occupe. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais gros coup de cœur pour cette baraque. Donc on se dit, bah, allons-y, gros potentiel et tout. On monte en février, on vient la visiter, gros coup de cœur. Elle est en bon état, franchement, voilà, après dedans, c'est pas au goût du jour, hein, c'est tapisserie avec les fleurs, etc. Je vous montrerai tout ça en vidéo et en photo. Mais on se dit, voilà, franchement, c'est habitable.
Il faudra bien sûr faire rapidement des travaux de confort, mais en soi, c'est habitable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Enfin, il y a un chauffage au fioul, mais tout est à revoir. Et voilà, enfin, c'est pas du tout économique et tout ça. Donc bon, bref. Ok, on se met d'accord. On signe un compromis de vente en mars. Et on se dit, bah voilà, c'est bon, on est parti. Cette maison nous plaît. Bon, ok, c'est quand même loin de ma belle-mère, mais... C'est toujours moins loin que Marseille, donc voilà, gros coup de cœur. On découvre un peu le village et tout ça, il y a tout, école primaire, maternelle, collège, plein de choses. La seule chose qu'il n'y a pas finalement, c'est un supermarché. Faut aller à quelques kilomètres plus loin, mais après il y a tout. Après on peut tout faire, il y a même une petite supérette. Donc en soi, vraiment, il n'y a aucun problème. Des terrains de sport, un véto, vraiment tout ce dont on a besoin. Dentiste, médecin, voilà, bref, infirmière, voilà, tout est bien. Donc vraiment, on est très très content parce que nous, on n'a pas ou peu de voisins. Après, c'est que des champs autour de nous. On est quand même à 2 minutes du village et des écoles, etc. Donc on fait partie du village, mais voilà, enfin, franchement, on est super bien placé et tout. Donc vraiment, gros coup de cœur. Donc on se met d'accord sur le prix et tout ça. Et puis, on commence les procédures. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a 3 mois pour trouver le financement pour notre crédit, puisqu'on ne paye pas la maison cash, loin de là. 3 mois pour trouver le financement, etc. Et après, pour pouvoir signer. Et puis, pendant ce temps, en fait, le dossier part à la mairie. La mairie regarde la maison si elle est intéressée ou pas de la racheter, parce que souvent, les mairies peuvent racheter les biens pour en faire après des appartements ou bref, n'importe. Et une fois que la mairie dit oui ou non, ben, si elle dit non, surtout, ça part à la SAFER, parce que nous, on a une partie derrière qui est considérée comme un prêt. Et la SAFER, c'est un organisme agricole. Et eux, ils peuvent dire, ah ben oui, ce terrain-là, il nous intéresse, parce que nous, on a un paysan qui voilà, s'est rattaché à son champ, il veut agrandir, etc. Donc, ils sont prioritaires, ils peuvent acheter. Et la SAFER, on a un délai incompressible de 2 mois. Avant de pouvoir acheter. S'ils ne nous contactent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. S'ils nous contactent avant les 2 mois, voilà, c'est qu'ils veulent leur droit de préemption et acheter le bien. Donc normalement, on aurait pu signer à peu près aux alentours du 4-5 juin. Mais le délai de SAFER, puisqu'il y a eu d'abord la mairie, puis ensuite le délai de SAFER qui court, ça nous amène jusqu'à début juillet. Donc bon, tant pis, nous ça nous laisse le temps de trouver notre financement pour la banque. Donc j'appelle mon banquier, qui est mon banquier depuis des années, et le type il répond pas. J'envoie des mails et tout, et le mec ne répond pas. Et il m'avait déjà fait ça quelques mois auparavant, où je lui avais demandé justement des infos pour savoir, voilà, mon mari venait de signer son CDI. J'avais dit, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un petit entretien pour savoir justement, maintenant qu'on a un CDI, jusqu'à combien on pourrait prétendre pour pouvoir faire un crédit pour acheter une maison. Et le mec me répondait pas, je l'ai relancé 2 fois, j'ai appelé tout ça, puis il m'a répondu 2 mois après. En me disant vous avez de l'argent de côté, et j'ai dit bah non, on n'a pas d'argent de côté. Ah bah laissez tomber, on vous prête à rien, machin et tout. Bon, ok. Il me dit voilà, il faut au moins 10 000 euros de côté, sinon on vous prête pas et tout. Bon, ok. Et puis nous on avait laissé sa réponse était genre en fin septembre, début octobre, on avait laissé et on avait dit bon ben voilà, on mettra de l'argent de côté tout ça. Puis en février finalement on trouve cette maison, donc à peu près on va dire 4-6 mois après on trouve la maison et tout, et nous on a les 10 000 euros qu'ils nous avaient demandé, voilà. Là on a les membres de notre famille qui nous ont prêté des sous en nous disant ben voilà, c'est pour votre projet, donc voilà, je vous donne des sous, etc. Donc on a des membres de notre famille, des grands-parents, etc., qui nous ont aidés à réunir l'apport pour la maison. Donc je l'appelle le banquier et je lui dis voilà, maintenant nous on a les 10 000 euros que vous m'aviez demandé, on a un CDI, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et le gars ne répond pas, mais vraiment lettre morte. J'ai beau appeler, relancer et tout, pas de nouvelles. Le mec il est juste banquier dans la banque, mais il répond pas. Donc je me dis, c'est quand même un truc de fou. Donc je commence à entreprendre toutes les démarches pour quitter la banque dans laquelle on est, parce que c'est une banque qui était en Haute-Loire, nous on était à Marseille, donc on était restés fidèles à eux parce qu'on n'avait jamais eu de soucis, mais là franchement je me dis, on se fout de notre gueule quoi. Donc on commence à faire des démarches pour partir, et puis je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter un courtier et je vais bien trouver quelqu'un qui me prête des sous. Et en fait, on contacte sans mentir 8 à 10 courtiers et tout le monde nous claque la porte au nez, mais non, on ne vous prêtera pas et tout.
Je contacte même un gars à Paris qui a une grosse agence de courtier qui nous dit, ouais, franchement, vous êtes le dossier le plus compliqué de l'année, mais je dois pouvoir faire passer ça et tout. Puis il m'explique un peu comment ça marche. Il me dit, ben voilà, nous, on travaille avec une dizaine de banques et on va proposer votre dossier à tous les directeurs d'agence en leur expliquant le projet et tout. Puis comme généralement, il y en a toujours un qui a le cœur sur la main et tout, et qui voit que votre dossier n'est pas pourri, bah, il vous prêtera les sous. Et tout ça pour 85 000 euros, avec 10 000 euros d'apport, donc un peu plus de 10%. Et point, quoi. Enfin, on ne demande pas plus. Donc au début, on voulait faire des travaux, mais on s'assied sur le montant des travaux, parce qu'on comprend bien que si on ne veut pas nous prêter 85 000 euros avec 10 000 euros d'apport, ben, on ne va pas nous prêter 100 000, ni 200 000 euros, ni je ne sais pas combien, ni même 110 000 euros. Donc c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Et puis un jour, j'envoie un message pour avoir le directeur de ma banque en lui disant, voilà, je voudrais quitter la banque et tout machin. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais bref, le directeur, mon banquier finit par avoir ce message qui est dédié au directeur. Et il me dit, il m'envoie un mail assassin pour me dire, oui, de toute façon, moi je comprends pas, j'ai toujours été là pour vous, franchement, vous voulez quitter la banque et tout, vraiment, je comprends pas, machin, patin, couffin. Je dis, mais c'est une blague en fait. Ça fait un mois que je vous ai contacté pour que vous me donniez une réponse, un oui ou un merde, juste même me dire non, c'est pas bon, mais que vous me répondiez simplement et vous répondez pas. Et quand en fait, je demande à parler au directeur parce que je veux changer de banque, ben là vous répondez parce que vous êtes offusqué. Et le directeur dans la même journée m'appelle et il me dit, voilà, bonjour madame, je vois que vous êtes cliente chez nous depuis très très longtemps, genre mon mari, ça faisait un truc comme 12 ans ou quelque chose comme ça qu'il était dans ce groupe bancaire, dans cette truc, mais pas dans cette agence. Nous, cette agence, ça faisait quelque chose comme 10 ans qu'on y était, 8-10 ans. Mais mon mari, lui, ça faisait déjà même 16 ans, je crois, qu'il était dans cette banque, mais à Marseille à l'époque. Donc j'ai dit, oui, ben nous, en fait, on est fidèles à ce groupe-là depuis de très nombreuses années. Ça s'est toujours très bien passé. Mais j'explique au directeur, voilà, nous, on a un projet pour acheter une maison et tout. Et en fait, le banquier à qui on a affaire ne répond pas. Et j'ai dit, le problème, c'est qu'il m'a déjà fait ça il y a 6 mois et je peux vous envoyer les preuves. Donc je lui envoie tous les mails et tout et les trucs de discussion. Je remonte, moi qui efface jamais mon historique de téléphone, je remonte dans mon historique de téléphone et je lui montre même, j'envoie des screenshots, des dates auquel j'ai appelé, auquel j'ai pas eu de réponse et tout. Et le directeur, là, il commence à péter un plomb. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, écoutez, bougez pas, je m'occupe de vous tout de suite. Et non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, j'écris à mon banquier qui répond pas, et il s'avère qu'il répond tellement pas que un mail que j'envoie finit chez un de ses collègues. Et c'est le collègue qui m'appelle et qui me dit, voilà, je viens d'avoir un mail qui a été mis dans ma boîte qui m'est pas destiné, est-ce que je peux vous aider et tout. Donc j'explique, j'ai dit, voilà, moi si on m'aide pas, je quitte la banque parce que j'attends des réponses que j'ai pas. Et puis le type me dit, écoutez, moi je suis muté sur Marseille justement. Je suis mutée sur Aix-en-Provence prochainement. Je reste 3 semaines ou 2 ou 3 semaines. Je peux vite monter votre dossier pour le montrer au directeur de banque. Et si vous voulez, je m'occupe de vous. Donc j'ai dit oui. Et c'est là que mon banquier apprend que on demande un changement de banquier. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que pour pouvoir changer de banquier, on est obligé de contacter le directeur, qui lui valide ou pas. Et donc c'est là que le directeur me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique. J'ai dit, voilà, j'ai affaire à monsieur un tel qui ne répond pas. Par hasard, mon mail est arrivé chez Monsieur Bidule et Monsieur Bidule me dit, voilà, moi je peux m'occuper de vous, mais il m'a dit qu'il fallait que je vous contacte pour savoir si vous étiez d'accord qu'on change de banquier, de conseiller bancaire. Et là, le directeur me dit, mais attendez, c'est quoi ce bordel et tout. Donc effectivement, le deuxième banquier s'occupe de nous et le directeur me dit, par contre, ce banquier va bientôt quitter l'agence et je récupérerai votre dossier comme ça. Je m'occupe de tout. Et il me dit, au vu de ce que je vois, il n'y a pas de souci, on vous prête les sous. Et là, ce jour-là, on est vraiment resté bête avec mon mari parce que, en fait, ça faisait déjà un mois ou un mois et demi qu'on n'avait pas de réponse de notre banquier, qu'on avait écumé les courtiers de partout, que tout le monde nous disait non. Et là, en l'espace de 2 temps 3 mouvements à cause d'un quiproquo, d'un mail qui n'est pas arrivé dans la bonne boîte, finalement, tout le monde nous dit oui et le directeur lui-même nous dit oui. Et là, on se dit, c'est un truc irréel.
Donc le conseiller, le deuxième conseiller nous montre tout le dossier, en parle au directeur de l'agence, le conseiller part muter sur Aix-en-Provence, le directeur récupère notre dossier et nous dit « moi, il n'y a aucun problème ». J'ai regardé avec le conseiller qui vient de s'occuper de vous, tout est ok. Vos comptes en banque sont en ordre, il n'y a pas de découvert, vous faites attention, tout est ok. Vous avez un apport de 10 000 euros, ce qui est le minimum syndical. Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Et puis il nous dit, bah, est-ce que vous avez des travaux à faire peut-être sur la maison, quitte à ce qu'on fasse le prêt autant qu'on les inclut. Et j'ai dit oui, il nous dit, il faut combien? On lui dit, bah, il nous faut tant. Ben, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai dit, est-ce qu'on peut arrondir un petit peu, du coup, on avait demandé 3000 euros de plus. Il nous dit, ouais, pas de problème, on met tout, il y a un prêt à taux zéro, vous avez 3 enfants, on inclut un prêt à taux zéro dedans, machin, patin, couffin, du coup, on nous a prêté ce qu'on avait besoin. Alors, on n'a pas demandé des sommes extravagantes, parce que nous, notre but, c'était d'avoir un petit crédit. Donc, la maison, les frais d'agence, les frais de notaire et les travaux, ça nous coûte 500 euros par mois, voilà. Les mois avec l'assurance comprise, donc c'est pas beaucoup, ça nous fait à peu près 450 euros de crédit et à peu près une cinquantaine d'euros d'assurance. Donc moi je voulais pas dépasser ça, donc on a pris le prix de la maison et on a complété avec des travaux jusqu'à ce que mensuellement on arrive à 500 euros, ce qui fait que on a eu notre prêt, tout a été fait en deux temps trois mouvements, les papiers, les machins, bim bam boum, nous on était prêts à signer. Ça a été un truc de fou. Donc finalement, quand on est bien conseillé avec un bon banquier ou avec un bon directeur de banque, enfin quelqu'un qui nous suit, qui est humain, qui comprend, qui voit que tout est en règle et tout, ça se passe mais en un rien de temps. D'ailleurs, on avait des collègues qui voulaient acheter aussi une maison, qui sont sur Marseille, qui sont la même banque depuis des années, qui ont des bons revenus, qui ont de la thune de côté et tout pareil, ils trouvaient pas, on voulait pas leur prêter de sous, ils ont trouvé une maison eux du côté de Limoges, on les a envoyés vers notre banque parce que la nana me dit ouais je vais aller voir des courtiers et tout, je vois sauf que le courtier ça va te coûter une blinde, je dis va voir mon directeur de banque, expose lui ton projet et il te dira oui ou non. Et pareil, en 2-33 mouvements, il a dit, voilà, si vous rapatriez tous vos comptes en banque chez moi, il n'y a pas de souci. Tout était clean pour eux aussi financièrement. Il leur a prêté les sous. Donc voilà, ils ont envie d'acheter à peu près 2 semaines d'écart avec nous. Ils ont pu signer leur bien. Donc voilà, tout a été fait. Alors je ne dis pas qu'à ma banque, ne me demandez pas en commentaire quelle est ma banque, etc. Parce que voilà, après, ça dépend si vous avez de l'argent de côté et tout. Mais finalement, des fois, on va chercher super loin ou passer par des courtiers qui vont faire des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Donc tout ça, c'est pour l'histoire, argent et tout, machin. Donc nous, à partir du mois de fin avril, tout début mai, nous, on est prêts à signer financièrement, tout est OK. Donc on se dit, on va pouvoir signer début juin, sauf que le truc de s'affaire court jusqu'à début juillet, donc on est obligé d'attendre. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde sur Facebook les groupes autour de chez nous, les groupes de vente, les groupes de dons, les groupes d'activité, la mairie et tout ça. Je m'inscris sur les pages et je me rends compte que le 4 juin, il y a la grêle qui est survenue sur notre région. Les gens mettent des photos avec des grêlons gros comme ça, gros comme des patates, comme des prunes, quoi, gros comme ça, et les dégâts et tout ça. Et j'appelle l'agent immobilier et je lui dis, voilà, est-ce que par hasard il y a eu la grêle au-dessus de la maison? Il m'a dit, écoutez, oui, on a eu la grêle dans le village. Ça a été très très grave pour certains bâtiments. Tout le monde n'a pas été touché, mais il m'a dit, j'ai la maison, c'est vrai que je suis pas allé voir, j'y vais de suite. Il m'appelle et puis il me dit, ouais, la maison, la toiture, elle est fracassée, c'est un gruyère, c'est très grave. Il m'a dit, il faut que j'appelle les propriétaires. Donc, il faut savoir que la propriétaire de la maison, elle a 85 ans, elle est toute seule. Et après, elle a son fils qui doit avoir entre 55 et 65 ans, qui n'a pas d'enfant, qui est seul aussi. Donc, ils sont que tous les deux. Ils n'habitent pas près de chez nous, ils ont plus d'une demi-heure de route, ils sont du côté de Vichy. Donc il les appelle et puis il leur dit, voilà, faudrait faire bâcher. Donc il faut intervenir quelqu'un qui bâche le toit, sauf que le mec il intervient avec une échelle, sans nacelle, la bâche est mal mise et tout ça. Premier coup de vent, la bâche tombe par terre totalement. Et quelques jours après, une grosse pluie s'abat sur la maison, enfin sur la région quoi, mais s'abat aussi sur la maison. Et on a de l'eau jusqu'à la cave.
Ce qui fait que l'eau a traversé la toiture, qui bon, était vraiment un vrai gruyère, l'étage, le rez-de-chaussée et la cave. On a eu des infiltrations d'eau partout. Donc l'agent immobilier m'appelle et me dit je suis passé à la maison, la bâche est par terre, il y a eu une grosse pluie, il y a de l'eau partout. Il m'a dit tout est moisi, tout a pourri, c'est très très abîmé. Et il me dit le plus gros problème, c'est que le sol du grenier s'est affaissé et passé à travers le plafond de l'étage. Donc il m'envoie des photos et là, c'est très choquant. Mais on se dit c'est pas grave. Il nous dit voilà, par contre ce qui se passe, c'est que ben, vous êtes en droit d'annuler la vente, tout simplement parce que à cause de ce dégât, ben, vous... Alors, il faut savoir qu'il y a des délais en fait, de rétractation. Passer certains délais, si on veut annuler la vente, que ce soit du vendeur ou de l'acheteur, eh bien, on va avoir des frais de au minimum 10% du montant de la vente à régler pour pouvoir sortir de la vente. Et il nous dit, ben là, le truc, c'est qu'avec le dégât de pluie, ben, vous pouvez sortir sans frais. Et on lui dit, ben non, en fait, on va venir voir, mais on ne va pas se retirer. Nous, la maison, elle nous intéresse. Donc on monte, on voit effectivement grosse cata, mais le truc c'est qu'il faut absolument remettre une bâche parce que ok il y a eu de la pluie, ok tout a été pourri et tout, mais c'est arrivé qu'une fois. Maintenant s'il repleut 3, 4, 5 fois dans la maison, là par contre après les dégâts, ça sera irréversible, on pourra rien faire quoi, la maison elle sera foutue, foutue ou quasi foutue quoi. Donc on fait venir la propriétaire, elle est âgée, tout ça, elle ne conduit plus, ce qui est normal, enfin, c'est compliqué. Donc ben, on se débrouille pour faire venir nous une entreprise de la Haute-Loire jusque dans le Puy-de-Dôme pour venir bâcher. On monte de Marseille, on accompagne le mec, on bâche avec lui. Moi ça a été une catastrophe parce que finalement la bâche est retombée derrière, il a fallu avec mon mari, son oncle, qu'on s'occupe de... remettre la bâche pour la troisième fois, enfin bref, ça a été vraiment un chantier. Mais voilà, on a protégé la maison et finalement, ben, début juillet arrive, on se dit ben, chouette, on va aller signer. Sauf que là, la notaire nous met un gros stop et elle nous dit ben non, en fait, on va pas signer parce que ce qui se passe, c'est que moi, je veux que l'expert passe et que l'assurance nous dise combien elle rembourse, puisque c'est pris en compte par l'assurance. Ok. Sauf que l'expert, on nous dit, bah, comme il y a une immense région qui a été sinistrée, bah, l'expert il peut passer dans 6 mois. Quoi. Alors nous, on se dit non, c'est pas possible. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que nous, au moment où tout était OK, on a expliqué à la personne à qui on louait la maison à Marseille que bah, ça y est, on avait trouvé quelque chose et qu'on était prêt à déménager. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a mis la maison de Marseille en vente. Et la maison, elle s'est vendue en une journée. Donc on avait 3 mois pour quitter les lieux et on n'avait nulle part où aller puisque la maison ici, ben la notaire ne voulait pas qu'on signe puisqu'elle avait, l'expert n'était pas passé. Donc on se retrouve, on ne sait pas, on a 3 mois encore à Marseille, mais est-ce que l'expert sera passé d'ici que la maison soit vendue définitivement? Est-ce que, enfin, on se retrouve dans le caca, quoi, clairement, on ne sait plus. On avait commencé à déménager des affaires pour amener chez ma belle-mère du côté de Brioude. Comme ça, on s'était dit déjà c'est là-bas, puis après on mettra dans la maison. Et là, on se retrouve un peu au pied du mur, quoi. Et puis tout le mois de juillet passe, c'est compliqué. Et finalement, à force de mettre la pression à l'assurance, l'assurance nous dit voilà, il y a un expert qui vient de Marseille, qui est sur la région pour la semaine. Il viendra tel jour, telle heure pour expertiser. Donc ben nous on s'est déplacé de Marseille, on est venu, on a accompagné l'expert, on a discuté avec lui, on lui a montré les photos de la maison avant le dégât, etc. Donc il a tout noté et tout ça. Et il nous rend son rapport d'expertise, enfin il nous rend pas son rapport d'expertise de suite parce qu'en fait on attendait encore un papier du mec de la toiture pour que l'expert le prenne en compte aussi dans son expertise. Donc au moment où on est censé signer, on se retrouve chez le notaire et la notaire nous dit bah en fait non, on va toujours pas signer parce que même si l'expert est passé, j'ai toujours pas le rapport d'expertise, on n'a même pas du tout de nouvelles de l'assurance, donc non, on peut pas signer en fait. Et moi, la notaire, je lui dis écoutez, maintenant, il faut qu'on se débrouille comme vous voulez, mais nous, il faut qu'on ait les clés de cette maison. Donc vous vous débrouillez, vous nous faites un papier, il faut que vous nous autorisiez à habiter dans la maison parce que nous, on se retrouve à la rue. Moi, mes enfants sont déjà inscrits à l'école du village, à la cantine, tout est prévu comme ça, je n'ai pas le choix. Et je lui dis, en plus, le problème, c'est que si on attend trop longtemps, moi, mon banquier m'a dit, quand on a fait les papiers en mars, il m'a dit, je peux garder votre... au mois de juin, quand on a su qu'il y avait eu le dégât de grêle, le banquier me dit, voilà, ça va repousser la vente et tout, bon, je peux garder votre crédit que jusqu'à octobre max.
Après, on est obligé d'annuler tout et de refaire les procédures. Parce que les taux changent, etc. On ne peut pas garder le crédit ad vitam aeternam. Donc, je peux le garder encore quelques semaines. Mais octobre au plus tard, il faudra signer parce que sinon, il faut tout refaire. Et le problème, c'est que nous, en fait, au mois d'août, quand mon mari, quand on était censé signer et tout ça, la deuxième fois, mon mari, lui, il a fait une rupture conventionnelle avec son patron pour qu'on puisse venir ici, qu'il soit plus engagé avec le travail et chercher du boulot ici. Mais nous, sans CDI, du coup, on ne peut pas refaire le crédit si on doit le refaire. Comment on fait ? Donc là, on se dit, on n'a plus de maison et s'il y a quoi que ce soit et que ça repousse, on n'a plus de crédit, donc on pourra plus acheter la maison. C'est fini en fait. Même que mon mari retrouve du travail de suite, il n'aura pas forcément de suite un CDI. Et quand bien même il aurait un CDI de suite, il faut attendre 3 mois de CDI pour refaire les démarches. Donc là on commence à être en panique, on se dit la rentrée approche et tout. Et au mois d'août, j'ai pressé la notaire en lui disant voilà. La notaire nous a fait un papier pour nous autoriser, donc les propriétaires étaient d'accord, nous autoriser à habiter dans la maison. Et moi, au mois d'août, une fois qu'on était dans la maison, j'ai pressé la notaire en lui disant, voilà, l'expert nous a maintenant rendu son rapport d'expertise. L'assurance, de toute façon, elle ne payera pas plus que ce que l'expert donne comme expertise. Elle paiera ou ce chiffre-là ou moins. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on séquestre de l'argent sur le prix de la maison. Et on avisera après, mais ça nous permet d'être propriétaire. En fait, ce que la claire de notaire m'avait dit à demi-mot, c'est que, par exemple, la maison, on la paye 85 000 euros net vendeur. Eh bien, on prend ce que l'expert a estimé, on le séquestre, donc les propriétaires récupèrent la différence. Voilà, la maison est à nous, ils récupèrent ça. Et ce qui est séquestré, ça reste chez la notaire. Si l'assurance rembourse au proprio, cet argent-là, on le récupère. En fait, c'est comme si l'assurance nous avait payé à nous. Et si l'assurance nous paye à nous parce qu'on est les nouveaux propriétaires, cet argent-là part chez les proprios. C'est pour éviter d'avoir plein de trucs d'argent. Le truc, c'est que on est parti sur l'estimation de l'expert moins la vétusté. Donc finalement, peut-être qu'on est perdant, peut-être pas, on ne sait pas, parce que est-ce que l'assurance va prendre en compte ce qu'a pris l'expert avec cette vétusté, elle va donner ça, est-ce qu'elle dira ben non moi je donne moins, est-ce qu'elle dira ben non on peut donner plus, on ne sait pas. Donc voilà, on est parti sur cette base là, mais ce qui fait que mi-septembre on a signé la maison, on était enfin propriétaire, l'argent a été séquestré, donc on ne sait toujours pas où ça en est, parce que le problème c'est que les anciens propriétaires ont toujours pas signé le rapport d'expertise parce qu'ils veulent voir pour certains trucs, des trucs un peu à la con, j'avoue. Par exemple, il y a marqué sur le truc SARL et le nom de famille des gens. Sauf que c'est pas une SARL, c'est des particuliers. Donc voilà, ils veulent que ça se soit changé sur le truc d'expertise. L'expert démord pas et le problème, c'est que l'assurance ne se manifestera pas tant que le rapport d'expertise ne sera pas signé par les anciens propriétaires. Donc aujourd'hui, on a l'esprit tranquille, la maison est à nous. On a débloqué notre crédit, donc on n'a pas besoin de le refaire. Mon mari, là, est en train de se former pour devenir conducteur de bus, puisque mon mari était conducteur poids lourd et super lourd. Là, il a voulu passer le transport en commun. Donc là, il est en train de passer son transport en commun. À partir de janvier, il a du boulot. Voilà, il est déjà embauché dans une boîte de bus, de transport. Donc voilà, tout est OK pour nous. C'est juste que ces sous-là, en fait, aujourd'hui, ils sont séquestrés. On va ou nous les donner, ou l'assurance nous paiera. Enfin bon, bref, peu importe, mais on a au moins l'esprit tranquille. On a pu vider totalement Marseille. On a récupéré toutes nos affaires. La maison, c'est un vrai chantier. Mais voilà, on est enfin l'esprit tranquille. On est chez nous. La maison de Marseille se signe dans quelques jours, là l'heure où je tourne on est le 18 octobre, dans une dizaine de jours même pas elle sera définitivement vendue, sachant qu'on a fini de la vider il y a une semaine, même pas, on est mardi, on a fini de la vider vendredi dernier, donc il y a 4 jours en fait, j'ai plus la notion du temps. Voilà, on a fini de la vider il y a 4 jours totalement. Mon mari a tout vidé quasiment tout seul. Il a très mal au dos. Enfin là, c'est très compliqué. Je crois qu'il s'est fait un truc, une hernie ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Mais on est enfin l'esprit tranquille. On a une maison où il y a l'électricité dans un état pitoyable. Donc mon mari a commencé à travailler sur l'électricité. On n'a pas de chauffage.
pour l'hiver, parce qu'il est hors de question qu'on mette du fioul, parce qu'il faudrait faire ramonner tout le machin, tout remettre, la chaudière a pas tourné depuis 10 ans, donc ça sert à rien, on va se débrouiller comme ça cet hiver. On est allé acheter des fenêtres, on a changé toutes les fenêtres du bas, faut qu'on change maintenant les fenêtres du haut. Pour la toiture, on a un ami qui travaille dans le sud comme couvreur, qui est venu, qui nous a fait un devis, donc on devrait avoir le travail qui sera fait sur la toiture d'ici un mois. Je vous filmerai tout ça, je vous montrerai toute l'avancée de tout, mais voilà, jusqu'à présent j'ai pas eu le temps parce que c'était très compliqué. Mais voilà l'histoire de la maison de la famille Colombe. On est aujourd'hui propriétaire depuis pas très longtemps, depuis un petit peu plus d'un mois. Ça a été très compliqué. On a très peu dormi, on a passé depuis le mois de février des moments très durs parce que ne serait-ce qu'à partir du moment où on a trouvé la maison et qu'on ne trouvait pas de financement, qu'on nous claquait la porte au nez, où on s'est dit la maison va nous passer sous le nez et où après on a eu le dégât de grêle alors que le financement on avait enfin trouvé quelque chose, le dégât de grêle, les assurances, l'expertise, les problématiques, la maison de Marseille qui se vendait, enfin on a passé 6 mois d'enfer, franchement 6 mois d'enfer et même pour tout. Pour vous dire, au moment où on a signé la maison pour être enfin propriétaire, donc là mi-septembre, j'avais envie de pleurer mais pas de joie en fait. J'avais envie de pleurer pour évacuer toute la frustration, la colère, la peur, les angoisses qu'on a eues pendant des mois et des mois. J'ai eu des crises de psoriasis de fou, je dormais plus la nuit, j'ai fait des nuits blanches pas possible. Ça a été vraiment très 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 compliqué. Donc voilà. On aurait pu se rétracter, mais nous, on voulait absolument cette maison parce que tout coïncide avec ce que l'on veut. Je vous montrerai tout ça en vidéo, dans une prochaine vidéo. Mais là, c'était en gros la story time de l'achat pour vous poser le décor de l'aventure Colombe et d'à quel point acheter une maison à rénover, ça peut être compliqué. Et même, je pense, une maison neuve, hein, on aurait sûrement eu aussi des soucis. Mais voilà. Donc c'était la première étape, les 6 premiers mois qui ont été très très compliqués. Voilà pour cette première vidéo de la série de la rénovation de la maison. Et puis viendra une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment était la maison. Alors pas avant les dégâts, mais après le dégât de pluie, mais avant qu'on y habite, donc quand j'avais encore les affaires des anciens propriétaires, puisque j'avais pu filmer. C'est pas une vidéo de super qualité, c'était une vidéo que j'avais fait en live pour Facebook, mais c'est finalement le meilleur exemple pour vous montrer la maison, comment elle était juste après le dégât, et que vous puissiez voir, parce que après rapidement, quand on a investi les lieux, en fait quand la notaire nous a autorisé à y habiter sans qu'on soit propriétaire, on avait demandé dans la clause du contrat qu'on puisse enlever tout ce qui avait été touché par l'eau, qui avait moisi et pourri. Donc dans les jours qui ont suivi notre aménagement, on a arraché pas mal de tapisseries, on a arraché des lambris, etc. parce que ça puait le moisi. Ce qui fait que quand j'ai filmé derrière pour la chaîne YouTube, que j'ai pas encore monté, bah, c'est encore différent de ce que vous allez voir. Bref, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc voilà pour la première vidéo de cette série. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour suivre tous les travaux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus pour la suite. Bye bye. Sipping on your love, sipping on your